Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous entendez, moi j'ai la voix complètement cassée. Il n'y a jamais rien qui va dans mes vidéos. Je suis tombée malade juste après avoir posté la dernière. Mais bon, ça ne me décourage pas, je suis en forme, vous inquiétez pas, c'est pas le Covid, j'ai fait les tests, j'ai été chez le médecin, tout va bien. Aujourd'hui, je vous retrouve directement tout en haut du parc Hunninjimun, qui est juste à côté en fait de Dongdaemun. Je ne sais pas si vous voyez la grande porte là-bas, en tous les cas, je vais vous la montrer. Et en fait, je vais remonter le long de la muraille qui est juste à côté de moi pour aller jusqu'au parc Naksan, puisqu'en fait tout ça c'est relié. Et je vais probablement aller me poser dans un petit café avec vue, puisqu'aujourd'hui il fait super super beau. Mais il fait pas très chaud. Là, j'ai même un petit peu froid avec ma veste. Donc, je vais aller me poser un peu, travailler, faire un peu de montage, tout ça, tout ça. Donc, c'est parti, on y va. Je commence à longer la muraille pour remonter jusqu'à Naksan et je vous conseille vraiment de faire le trajet dans ce sens là. C'est un peu plus facile que du côté quand vous arrivez par Hyewa. Donc en fait vous arrivez à Dongdaemun et vous remontez le long du parc et après c'est hyper tranquille et c'est trop agréable.
Le café où je suis est en fait légèrement en contrebas par rapport en haut du parc Naxan. Et en fait, c'est un ensemble, je ne savais pas du tout, je pensais que c'était des cafés différents. Mais en fait, c'est un ensemble de quatre bâtisses qui sont toutes reliées les unes entre les autres. Il y a un espace pour étudier et travailler, celui où je suis actuellement. Et après, il y a les terrasses et tout, c'est vraiment super, super sympa. Je viens de sortir du café, ma voix ne va pas mieux. Je monte là pour aller vers le sommet de Naxan pour voir un petit peu le coucher de soleil. Je sais pas si je vais rester jusqu'au bout parce qu'il commence déjà à faire froid et j'ai sorti déjà mon pull pour mettre sur les épaules, mais je pense que je vais couper la vidéo et je vais le mettre tout de suite. Know that, baby, I'm never on your mind. And it don't matter how hard we try, 'cause you're never on my mind. One day I woke up with you on my bed. I couldn't even remember everything we said. I was wondering if I ever. Si, y a un trou dans la muraille, et quand vous passez pour aller de l'autre côté, c'est là où vous avez tout le chemin qui va être éclairé la nuit et qui est super super sympa pour se balader. Et si vous suivez, après ça redescend jusqu'à la station Hansong et c'est franchement super agréable. Je vous le recommande si vous arrivez au moment du coucher du soleil. Je vais faire une petite partie du sentier là que je viens de vous montrer et je vais vite vite rentrer chez moi parce que ça y est, le soleil il s'est couché et il fait super froid tout à coup. J'ai déjà les mains, j'arrive presque plus à les bouger, donc je me dépêche. En descendant, j'ai croisé un chat et je me suis arrêtée, bien sûr. Et il y a une petite dame qui était juste à côté, elle est venue me voir. Et elle me dit « Oh, vous êtes trop belle, vous parlez trop bien coréen, nanana. » Bref. Et elle finit par me dire « Vous ressemblez à une princesse vampire, de ce que j'ai compris. » Elle se souvenait plus du nom du drama, mais si quelqu'un connaît, je suis très très curieuse de savoir ce que c'est, parce que une princesse vampire, j'ai jamais vu ça. Bon, il doit me rester encore à peu près 5 minutes de marche jusqu'à la station. Ma voix ne s'améliore pas, il faut vraiment que je rentre vite et j'ai pas envie de jouer avec le feu, là je suis déjà malade. Et puis là il fait vraiment super super froid en fait, on se rend pas compte. Le soleil s'est couché vers 5h45, c'est abusé. Donc il me reste encore plein de temps hein, pour finir ma journée. Donc là je rentre chez moi et je vais bosser un petit peu le coréen, préparer les prochains posts pour Insta, tout ça tout ça. Pour les personnes qui n'auraient pas regardé la dernière vidéo que j'ai sortie, j'explique en fait tout ce qui s'est passé dernièrement dans ma vie, donc ça vous aidera un peu à comprendre ma situation actuelle. Donc j'invite à aller la voir. Et sinon on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, peut-être un vlog, peut-être une vidéo informative, je sais pas trop encore. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine. Annyeong.